Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour un épisode du Junglathlon. Donc aujourd'hui il s'agira de Blitzcrank, donc suite à la vidéo H avec H, donc qui était avec le Peggy 18, qui était un petit peu n'importe quoi, je dois vous l'avouer. Ben on passe sur un jungle qui est entre guillemets viable. Parce que ben voilà, ça a déjà été testé, même au LCS et des choses comme ça. Et je pense que ça peut être pas mal. Ça peut faire des ganks assez violents s'il y a un grab qui passe. Et ça peut franchement bien donner. On va attendre la fin du chargement. Donc on va le jouer avec une mana mune bien sûr, parce que Blitzcrank est un champion qui utilise énormément de mana. Donc s'il veut faire des sorts, et en plus j'ai sorti mon vrai Blitzcrank anti-émeute, hein, c'est pas avec MKLO, je l'ai vraiment ce skin là. Et je voulais aussi faire un petit merci à Cookie qui m'a offert le skin de Gragas Oktoberfest. Voilà, merci à lui s'il regarde la vidéo. Et je vais pouvoir enfin vous. Quand j'arriverai à la lettre G, je pourrai faire des Gragas quand il bat qui fait. Enfin, vous allez voir, c'est juste excellent. Et donc voilà. Donc on avance pas mal hein, dans les champions. Donc je vais vous montrer ici la liste des champions. Donc maintenant on est à Blitzcrank. Donc vous voyez bien que ici je peux vous le prouver que je les ai vraiment. Même des skins de Blitzcrank que je n'ai jamais vus. Donc voilà, et le prochain ce sera Brand, et celui-là Brand c'était un perso que j'ai déjà joué plusieurs fois en jungle et qui franchement est pas mal du tout. Et on est parti. Va commencer au bleu, au red pardon. Et je joue avec des runes hybrides. Et on va bien voir ce que ça donne. Hein. Je reviens de mon week-end en plus, donc c'est ma première game depuis le week-end. Et j'espère que ça va bien se passer. Je vais dire. On prend le E en premier pour faire une double charge. Et c'est celui qui a le plus petit cooldown, donc on va pouvoir le. Prendre le E, puis on prendra le Z et on prendra le A en troisième, et puis on ira maxer le Z, histoire d'avoir plus de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque pour les ganks, c'est vraiment bien. On a un Heimerdinger qui arrête pas de parler. Ça va, la Sivir n'est pas AFK. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Donc ce que je vais faire niveau du stuff, je vais partir sur Razor de Madred, botte de mobilité et une larme de la déesse. Comme ça on va pouvoir comment dire, se balader un peu plus facilement dans la jungle et pouvoir maxer la larme de la déesse. Je reste concentré. Je vais partir quand même sur un stuff tanky. Et je me suis un peu fait plaisir au niveau des runes. J'ai pris des runes AP et AD. J'ai pris et de la peine magique. J'ai pris les mêmes runes qu'avec Diana en fait, que je prends habituellement. Oh merde, il m'a piqué un sbire. C'est pas grave. On prend une popo, histoire de pas trop perdre. Ça mène quand même des grosses patates, un hein, Blitzcrank. Oh GG, la botlane qui fait le first blood. On va leur dire. Hein. Blitzcrank est un jungler qui a besoin de beaucoup de farm. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur une Vrigueule. C'est pour ça que j'ai dit Razor de Madred. Et je pense que ça peut être pas mal. On va bien voir, normalement ça devrait le faire. Alors, notre taille 410. Je suis étonné moi-même que il farme vraiment pas mal, je trouve.
On va aller au top. On va attendre que la mana se recharge un petit peu. On s'est wardé. Qu'elle avance un petit peu. J'étais là, hein. J'ai essayé de choper en fait le Lee Sin en plein vol, c'est pour ça que je l'ai mis un peu au hasard, le grap. Et je pensais que ça allait passer, malheureusement ce n'est pas passé. Et on va profiter du double buff pour continuer de farmer un petit peu. Il fait bien son combo le Alistar, c'est cool. On va venir par la lane. Prendre une petite popo. Voilà, on va passer dans le bush ici. Ah, il faudrait qu'elle le tue. Voilà, parfait. Quatre secondes pour mon grab. Oh, genre, j'étais dessus pourtant. Comment ça se fait? J'étais dessus, on est d'accord. On regardera sur la VOD. Pour moi, j'étais dessus. Hein. Moi qu'il ait fait un sort ou un truc comme ça, j'ai pas compris pourquoi elle n'a pas été dedans. Limite on pourrait rester encore tant qu'on a le bleu. Ça passe pas. Bah tant pis. Ça va, j'aurais fait quand même un bon gank au bot. Ils auraient pris le kill comme ça. En plus, je pense que c'est l'ADC qu'il a eu. Non, c'est le Alistar, mais au pire, c'est pas trop grave. On va finir les golems ici. Et puis, on fera un petit back. Ah, dommage. Ouais, le Lee Sin, il campe le bot. Voilà, parfait. Au top, le Nasus qui tue le... Qui tue le Nasus. Qui tue le... Ouais, le Nasus qui tue le Nasus, bien joué. Non, le Nasus qui tue le Tryndamere, plutôt. On va aller au mid. Prochain bac, faudra aller chercher les bottes de Moby ainsi que l'alarme de la déesse. Donc on aura genre 1000-1500 gold, ce serait pas mal. On va aller faire le raid. Aïe aïe. Prendre une popo. Je vais venir au bot pour faire enfin pour éviter un kill de donne, enfin de donner un kill plutôt. On va venir. Allez, mets le bump. Merde, il y a le Lee Sin. Oh bordel. Voilà, GG le Alistar.
Il joue bien le Alistair. On va leur mettre une ward avant de se barrer. Voilà. Call me Kiki, n'empêche qu'elle s'appelle. Bon, on peut avoir déjà ça. Ou alors on attend les 20 gold histoire d'avoir le cristal. Ouais. On va attendre un tout petit peu. On va aller donner le bleu à Emmer. You need a blue. Il ne le veut pas. Donc moi je vais le prendre, je vais en profiter. Mais il clear vraiment vachement bien notre petite Blitzcrank. Donc j'ai l'ulti, on va aller au top. Allez, continue de fight. Non, Nasus. Voilà, on prend le kill. Et tu l'avais pas, c'est mon passif. Alors ça va, la Sivir qui commence à reprendre des kills. Parce que l'AMF là elle est en train de bien se feed. Qu'est-ce qu'on va max en deuxième? On va prendre le grapp niveau 2. On va mettre une ward. Voilà, on donne le kill au Emmer. Donc Blitzcrank, c'est un jungler que je qualifierais de semi-tank. Plus support que tank, mais franchement, il fait pas mal de dégâts, en tout cas, je pensais pas du tout. Je vais y venir. 2 minutes. On va prendre les bottes de Moby, une ou deux ward, on va prendre le brouilleur et on va prendre une popo. Hop là et hop là. Allez, cours Blitz. Et puis on partira sur le rasoir de Madrid. Enfin sur la lanterne de Vrigueul plutôt. Pourquoi vous êtes pas venu? Ah ouais, parce qu'ils ont pas de vie. Oh la flash. Ah, il avait pas de mana, c'est pour ça qu'il est pas venu, le petit chenapan. Ça, j'ai fait griller un flash et ils ont été obligés de back. Ah,
Alors, 570. On va clear et puis on va être obligé de back parce que on prend assez cher au niveau des monstres. Même le passif qui tombe. Eh oui, il y a une noire, mon petit. J'ai peur d'y aller en fait, parce que j'ai pas envie de donner un kill pour rien. Il y a pas mal d'actions à la bot lane. Oh, ils sont là. Oh, lit. Tu es un Alistar mort. Genre. Voilà. Bon, tant pis, il a pris le kill. Merde. Putain. Non, 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 non. Laisse-le. Dommage, j'ai fait le chase de l'infini, ça n'a pas payé. Je suis un peu deg. Au pire, il a perdu du temps, c'est pas grave. J'ai pas vu ce que les Hammer avaient dit. Je pense pas qu'il voulait le bleu, mais bon. Au pire, je vais le prendre. Un 0-4, on s'en sort très très bien. On monte l'alarme de la DS en même temps. Allez, on continue de farm les sorts. On pourra bientôt avoir la lanterne. On va utiliser sa mana et son smite à un maximum et puis on ira la chercher. Il y a le passif qui craque. Aïe aïe aïe. Il envoie des petites patates, n'empêche le blitz. Voilà, on va back. Et on va partir sur un petit Bruta, histoire de faire un peu plus de dégâts. Parce que on n'en fait pas assez à mon goût. 110 d'AD, ça commence à être pas mal. GG le Hammer. Hammerdinger bien joué, ça fait vraiment le taf. Viens ici toi. Voilà, on met bien le Hammer, ça c'est cool. La Soraka qui va se faire flame par toute sa team.
Alors, prenons la tour. Non, ça passe pas. J'arrive, les amis. Oh, l'ulti. Ouh, ça fait mal, ça. Allez, les tourelles! Allez, venez sous la tour. Je ne veux pas mourir. Eh ouais, mon passif il est gros. Parce que j'ai beaucoup de mal. Eh meurs, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi il s'est jeté dans la gueule du loup? Le Nasus qui arrive avec 220 de buveuse, c'est pas trop mal. Bon, je l'ai eu au pire. Je vais dire cette action était un peu dégueulasse. Mais au pire, c'est pas trop grave. Parce que j'ai quand même eu le kill, l'interruption en tout cas sur la Akali. Et donc voilà. Même si j'avoue que cette action était totalement dégueulasse. Je l'avoue. Et le Trinda, il en est où? 2, 3, 0. Alors 2-1-5, c'est pas mal. Pour ma première partie, franchement, pour revenir en plus sur un Blitzcrank Jungle, je trouve que je m'en sors pas mal. Là, j'aurais peut-être dû aller les aider, même s'ils sont un peu beaucoup et qu'ils l'auront jamais. Mais c'est pas grave. Ils ont déjà perdu la tour au bot. On va aller chercher le farm d'un coup d'ulti. Voilà. On va mettre une ward au Drake. Et on va push comme des retards. Pendant qu'au top ils sont en train de se faire défoncer. Ça va, il s'en sort pas trop mal au final. Bien ça le Nasus. Bien ça. Alors j'essaie de prendre la tour, ce serait pas mal. On aurait pris deux tours. Non, je ne l'aurais pas. Bon. Vous retiendrez la leçon comme quoi il ne faut jamais chase un... Ah, dommage. Il a gaspillé l'ulti au pire, il a failli l'avoir. Moi j'ai failli tuer la tour d'un coup, donc ça c'est cool.
Et pouvoir commencer ma trinité en plus, puisque je commence à avoir pas mal de gold. 105 de farm, c'est pas mal. Ouais, mets-lui une patate, voilà. Allez, continue. Voilà. Je vais aller au mid. Oh, la patate qu'elle m'a mis. J'ai pas envie que la Akali vienne en fait. C'est pour ça que je vais pas dans le tas. Toi, tu viens ici. Voilà. Là, on va mourir. Et encore. Oh yes, elle m'oublie. Non! Allez, accélère. Allez, accélère! Merde! J'aurais fait perdre pas mal de temps. C'est pas trop trop grave au pire. Bon, faudrait qu'on finisse la Trinité et puis on prendra une Mana Mune. C'est con parce que si j'avais eu un peu plus de vie, je pense que j'aurais pu tenir le trade face au Lee Sin. Parce qu'il a rien comme stuff, le pauvre. Il est là. Sylvire! Putain, bah ouais, bah ça, ça je te l'aurais bien dit, hein. Dommage. Oh, le Trinda! Non! Ah ouais, non, mais le Trinda en late game, laisse tomber quoi. Allez, Nasus. Bah, Nasus n'est plus. C'est dommage. C'est con parce que le Alistair il joue super bien, mais c'est Trinda quoi. Regardez le stuff qu'il a, le gars il fonce dans la mêlée. Et poum, 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 poum. J'ai pas fait un très bon engage, hein, faut l'avouer là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on prend. On prend le kill sur la Soraka, hein, puisqu'il était un petit peu donné. Je commence à mettre des fameuses patates. On peut commencer à max le grab. Et vers la fin, vous allez voir, on va commencer à mettre de ces patates avec Blitzcrank. On va grapper un mec. Il y a le MR qui va mettre tout sur le mec. Et il va pleurer. L'alarme de la déesse commence à être pas mal.
Il y a le bleu dans 10 secondes, donc on va avoir le temps de faire la grosse fraise. Regardez ça, le timing parfait. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est déjà aller aider mes mates là, vite. Oh, genre, il passe pas. On commence à mettre des crits qui commencent à faire mal. Arrah. Je vais aller chercher la tour au bot. Non. Voilà, on est safe. Et là, c'est le retournement de situation. Je ne suis pas mort. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je ne suis pas mort. Oh la Kali, elle prend tellement cher. Non, je l'ai pas eu. Oh, je suis deg. Je lui ai mis un bon petit grab, je pensais que j'allais le tuer avec le grab, et ben même pas. Là, je suis déçu, franchement. Ouais, oh, Alistair qui rate son truc. Bah, limite, continue de le courser, c'est bien. On va bientôt finir la mana mune, là on a une trinité, donc on va commencer à mettre des vraies patates. Il reprend le farm avec Sivir, le Alistair il continue de chase, mais il se rend pas compte qu'il va se faire défoncer la gueule si jamais il le croise. En plus il a pas de mana. Ouais, on s'en sort pas mal, franchement. La game est assez bien partie. Allez, on fonce, on continue de monter. Ah, il y a notre raid. Ah, niveau bump, on est assez tranquille. Allez, on fonce. Allez, viens, Lissinge. Ouais, 3 wards. Alors, là, on va essayer de faire un truc sympa. Non, la Kali, elle fait trop mal. Mais ils ont une bonne team, hein, n'empêche. Ah, il va prendre l'inhib. Non, 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 non. Backdoor de Nasu. Ok, il va prendre l'inhib, mais il va se faire défoncer. Il a que 300 de buveuses, hein, c'est pas énorme. Hein.
Et voilà, tu es mort, Nasu. Non, c'est pas worst. On va aller au mid. Le truc c'est que faudrait que le Nasus continue à farm, comme ça le late game on l'a. Mais le souci c'est que s'il continue à farm, c'est les autres enfoirés qui vont me défoncer, voilà. La MF elle est méga stuff. On va faire la manamune. Et puis on va essayer de terminer notre coup près. Qui est méga fit? Ah ouais, 0623 la. La Soraka. Ah ouais, 16-6-10 n'empêche la MF. Ah ouais, quand même. Oh, la MF, elle a plus de vie! Moi, elle l'a eu. Allez, meurs! Non! Saleté de Soraka. Oh oui, GG. Oh GG. Oh GG! Ah, il est bon le Alistar, franchement. Ouais, limite tank. Pendant que vous prenez la tour. La tourelle du Nexus est presque morte, mais le Alistar. Enfin, pas le Alistar. Le. Non, 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 c'est pas grid, les gars. Ah ouais, non, la Kali. Elle commence à être bien dans sa game, la fille. Surtout qu'elle a railé en plus pour ralentir, c'est tellement ignoble. Allez, casse-toi. Casse-toi. Oh, la two shot. Regardez, regardez, regardez. La toile du Nexus qui tombe. Je vais aller voir le Nash, enfin voir le Nash surtout. Ah merde, la toile se régène plus que ce qu'elle ne prend. Ben ouais, je peux pas faire grand chose, même si je commence à mettre un petit peu les patates, mais je ne suis pas encore un tank. Limite, on va garder le couperet comme ça et on va commencer un cœur gelé. Parce que le Trinda il commence à faire plutôt mal. Ça, le Nasus l'a eu au pire. Mais je crois que niveau push, en fait, on est bien devant et le truc, c'est qu'ils peuvent pas faire trop de conneries. Ils essayent de push aussi, mais nous on a quand même toujours quelques T2. Non, on en a plus qu'une en fait. Celle de la bot lane. Oh, une Akali morte. Oh, GG. Comme lui a dit, tiens, je te la rends. Ah, c'était beau. C'est mon farm, hein, ça va?
fais. Viens ici. Et voilà. Et n'empêche, une patate à moins 500, ça, on doit le sentir passer. Hein. Voilà, je pense qu'on finit. Voilà, le Nasus qui a 1-1 le Trinde. Genre, mais le nombre de fois que mes grappes doivent passer et qui ne passent pas. Heureusement que j'ai ma vrigueule. Voilà, on prend le kill. Allez, on finit. Non, 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 non. Ça va, le Nasus finit, je pense. Et voilà, c'est la victoire. Ah, oh, c'était très très chaud comme game, et franchement, on a bien géré. Eh ben, je suis assez content, moi, pour mon petit junglathlon, c'est assez cool. Bon, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain junglathlon, ou bien du Wakfu, du Crossmaster, enfin, vous verrez bien. Je vous dis à très bientôt, les amis. Salut à tous!